Michel Puech. Et vous faites quoi dans la vie ? Je fais de la philosophie de plein de façons différentes. Ça veut dire quoi ? D'abord, je l'enseigne à l'université pour gagner ma vie aux frais du contribuable. Ensuite, j'écris des livres pour les enfants. Je fais aussi des interventions en entreprise, pour des tas de conférences, pour essayer de diffuser au maximum. Diffuser quoi ? Parce que la philosophie, c'est très très large. Oui, j'ai diffusé des outils pour réfléchir. Pas des idées ou des doctrines, mais des outils qui permettent aux gens de 7 à 107 ans de se faire leur propre opinion sur plein de questions différentes. La philosophie, ça permet toujours de développer l'esprit critique ? Oui, sinon c'est pas de la philosophie. Il y a d'autres choses, les religions, des choses comme ça, mais ce qui permet la philosophie, oui, c'est pour développer l'esprit critique, il n'y a pas de doute. Alors, sur le développement durable, une question. Est-ce que le développement durable, c'est différent de l'écologie ? Oui, déjà, on trouve ça première ligne de Wikipédia, ça va vous dire que dans le développement durable, il y a l'écologie plus l'économique, l'économiquement soutenable et le social. Donc oui, c'est plus large. Ça inclut l'écologie dans un ensemble plus vaste, qui est justement sur un problème très philosophique, réfléchir à qu'est-ce qui est soutenable et pourquoi on fait des choses aussi insoutenables. Alors pourquoi on fait des choses aussi insoutenables ? Parce qu'on réfléchit pas bien, parce qu'on n'a pas d'esprit critique, parce qu'on ne nous demande pas notre avis, et qu'on a pris plein de mauvaises habitudes à force d'avoir tout ce qu'on a, de la technologie, de l'abondance, de la puissance. Et là, ça commence à aller un peu loin. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile à expliquer l'esprit critique, à appréhender l'esprit critique auprès des enfants qu'auprès des adultes ? C'est plus facile auprès des enfants, parce qu'ils l'ont déjà. Et les enfants, ils posent des questions philosophiques. Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce que ça veut dire injuste ? Etc., etc. Et les parents et l'école leur font comprendre assez vite qu'il ne faut pas réfléchir comme ça, qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir, qu'ils sont trop petits, et qu'on va leur expliquer. Et ils prennent l'habitude de se soumettre. Et ensuite, c'est dur de perdre cette habitude. Donc c'est bien de les prendre avant. En fin de compte, la démocratie, c'est quoi ? C'est apprendre à réfléchir par soi-même ou par les autres ? Ah non, la démocratie, ça suppose qu'on sait réfléchir par soi-même, et après, on peut faire fonctionner une démocratie. Et les démocraties qui ne marchent pas, même quand elles en ont les institutions, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas les moyens et pas l'envie de réfléchir par eux-mêmes et d'en assumer les conséquences. Alors quand on voit aujourd'hui en Tunisie la révolution et qu'on est en train de dire qu'en gros c'est parce qu'au niveau intellectuel et de culture s'est élevé ces 25 dernières années, vous êtes d'accord avec ce constat ? Je ne connais pas bien ce dossier, je ne suis pas trop du genre du philosophe qui a un avis sur l'enneigement des Andes, la pêche en eau profonde en Norvège et la révolution en Tunisie. Mais il peut y avoir un rapport, en tout cas c'est ce que pensaient les philosophes des Lumières, entre le développement intellectuel et culturel des gens et leur demande de démocratie. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un critère en matière de développement durable, si on se met à réfléchir ? C'est-à-dire, c'est d'abord l'homme, c'est la société, c'est la solidarité, c'est ou la nature aussi. Il ne faut pas oublier dans la liste. Alors, un critère de développement durable, déjà, développement et durable, ce n'est pas les bonnes notions. C'est soutenable, la bonne notion. C'est la soutenabilité. Les Français ont traduit d'une manière un peu contestable. Et un critère soutenable, on peut déjà dire, c'est un critère soutenu. Ça nous ramène à la démocratie. C'est un critère, une valeur, un projet, sur lesquels les gens ont pu s'informer, qu'ils ont pu décider, dont ils assument les conséquences, et qui ne leur a pas été imposé technocratiquement. Donc déjà, ce serait beaucoup, ça.